Chers managers, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Les managers ont souvent de lourdes responsabilités dans les entreprises soit dans la gestion, dans l'orientation, la cohésion ou dans les prises de décision. En plus de ces différentes responsabilités, un manager peut également assurer le rôle de directeur dans une entreprise suivant les différents types de management. Tout dépend de l'organisation interne et du style de gestion de l'entreprise. Et quand l'entreprise enregistre des pertes ou des gains, l'on sait d'avance la personne à viser ou à féliciter. Dans les grandes entreprises qui disposent de nombreuses unités, et il peut avoir plusieurs postes de manager afin de garder les employés engagés et renforcer l'esprit d'équipe. Pour cela, il est important de comprendre les types de managers ainsi que leurs différents rôles afin de mieux organiser votre entreprise. La grande difficulté se trouve au niveau des employés ou des équipes que gère le manager. Si ce dernier a certaines exigences, il revient à chaque collaborateur de prendre en compte son type de management afin d'être productif. Cela permet de clarifier le rôle du manager et de faciliter la tâche à accomplir par les employés. Car la coordination et l'organisation des activités au sein d'une entreprise dépendent fortement du manager ou des managers. Pour les responsables d'entreprise, petites ou grandes, il est important de bien connaître les types de managers qui existent. Cela leur permettra d'avoir une entreprise ou une organisation convaincante avec un style de leadership défiant toute concurrence. Dans cette vidéo, vous découvrirez quatre types de managers pour booster la productivité de votre entreprise. Premièrement, diriger une équipe avec le type de manager directif. Le management directif a tendance à établir le plus souvent les règles à suivre afin d'atteindre de façon efficace les objectifs. Généralement, un manager directif ou objectif n'est pas un dirigeant qui aime trop attendre de sa manière de gérer. C'est la raison pour laquelle il définit toutes les priorités de l'équipe en situant le rôle de chacun de façon claire et précise dans son style de management. En réalité, sa responsabilité est d'orienter chaque membre dans les moindres détails pour atteindre ses objectifs. Ce n'est pas le genre de personne qui perd son temps sur la capacité de quelqu'un à ac pouvoir accomplir une tâche ou non. Pour lui, si vous faites partie de son équipe, c'est que vous en êtes capable. Parmi les différents types de managers qui existent, le manager directif a le contrôle total sur toutes les décisions dans son environnement de travail. C'est donc lui qui planifie et détermine la méthodologie de travail à appliquer afin d'atteindre tous les objectifs de l'entreprise. L'avantage avec ce mode de management est la sérénité et l'assurance avec laquelle le manager dirige. La plupart du temps, le manager directif peut avoir une efficacité hors pair et hors norme grâce à ses compétences managériales. Cela s'explique par ses nombreuses expériences dans le domaine où il excelle. Toutefois, avec ce profil de manager, les membres de l'équipe qu'il dirige peuvent rapidement perdre le sens de l'initiative. Il est souvent le seul à assurer la prise d'initiative et n'arrive pas à déléguer les tâches à ses collaborateurs ni à les responsabiliser. C'est aussi lui qui veille à l'accomplissement des tâches dans le délai fixé. Pour travailler avec un gestionnaire pareil, restez vous-même, c'est-à-dire sans complexe, et posez des questions en cas d'incompréhension. Avec un gestionnaire qui adopte un modèle de management autoritaire, vous devez développer votre capacité de concentration. Cela va vous permettre également d'être plus organisé et plus discipliné dans votre travail. Deuxièmement, gérer de façon persuasive les employés. Le manager persuasif n'est pas tout à fait loin du manager directif, mais avec une petite différence qui est ici la conviction. En effet, le manager persuasif possède le plus souvent des idées claires et précises qu'il essaie d'exposer à ses collaborateurs à travers son efficacité managériale. Avec un bon relationnel, il a la manie de parvenir à persuader son équipe sur une quelconque idée ou sujet qui requiert leur adhésion. C'est donc un excellent communicateur qui sait mettre en œuvre des stratégies de motivation pour rendre les membres de son équipe productifs et impliqués. Avec des arguments clairs, ce manager peut posséder des caractéristiques plus ardues que les autres styles de gestion. Il sait non seulement motiver son équipe, mais il arrive à les mettre d'accord sur toutes ses idées. De plus, c'est un manager qui possède l'art de convaincre et d'unir ses collaborateurs pour favoriser le travail d'équipe. C'est aussi un personnage très positif avec une capacité de leadership mobilisateur. Il peut démontrer clairement qu'une situation négative peut devenir un avantage avec le style approprié. Lorsque vous avez affaire à des managers persuasifs, il est évident que vous recevrez toutes les explications qu'il vous faut pour mener à bien vos différentes tâches. Ces managers donnent beaucoup de sens pour réussir son management d'équipe. Pour ce qui concerne les décisions, se rapportant à un plan organisationnel ou pour des modifications de plan, ce manager explique et exprime aussi ses objectifs. En travaillant avec ce type de manager, vous pouvez développer votre sens du raisonnement. Vous pouvez apprendre de nombreuses choses à ses côtés, notamment comment aller à l'essentiel, savoir prendre des initiatives, comment être persuasif, etc. Pour un employé qui recherche une source de motivation, travailler avec ce type de manager peut l'aider. Vous aurez aussi la motivation pour devenir un expert dans votre domaine d'activité. Avoir ce type de leader au niveau d'une entreprise peut être très bénéfique pour permettre à leurs collaborateurs d'être efficaces et dynamiques. Troisièmement, augmenter la productivité de votre équipe grâce à la gestion collaborative ou participative. Parmi les types de managers et les principaux styles de leadership, le choix de tel ou tel manager et du style adapté dans les entreprises dépend fortement de l'objectif général. Il y a des entreprises, par exemple, qui cherchent des employés plus motivés et qui adoptent différentes méthodologies de travail. Pour d'autres, c'est l'implication de ces employés qui compte le plus. Cela leur permet d'avoir des employés intéressés et motivés qui soutiennent et accompagnent l'entreprise dans ses actions. Le manager collaboratif ou participatif, contrairement au manager directif, essaie d'impliquer toute son équipe dans l'organisation des tâches à accomplir. Beaucoup d'entreprises évitent de plus en plus de concentrer toute la responsabilité organisationnelle dans la main d'un seul individu. Cette forme de management permet à ces entreprises d'avoir un personnel de mieux en mieux impliqué et engagé. En effet, un manager collaboratif ou participatif cherche en toute occasion à mettre en valeur les compétences de son équipe. Le management participatif prend en compte toutes les critiques, les analyses afin de construire ensemble une stratégie performante pour atteindre avec efficacité les objectifs. Ce type de manager privilégie une bonne ambiance de travail avec un personnel heureux d'apporter son opinion. Une personne qui adopte un management collaboratif accorde du temps à l'analyse, à la stratégie et au travail collectif. Parfois, il est vrai que ce manager peut avoir une prise de décision lente, mais il vaut mieux avoir un personnel heureux qu'un personnel malheureux. Travailler avec un manager collaboratif va permettre à votre personnel d'avoir de l'innovation, de l'amour pour le travail et de la motivation. Toutefois, si vous avez un manager collaboratif en tant qu'employé, n'hésitez pas à émettre vos idées. Pour ce manager, la psychologie et l'état d'esprit de ses employés importent beaucoup. De plus, avoir une équipe totalement engagée, enthousiaste et heureuse peut augmenter le rendement et la productivité de façon considérable. Quatrièmement, souscrire au type de manager délégatif. Avoir les yeux sur toutes les activités de son équipe partout et en même temps peut être très difficile pour un manager. Pour cela, ce dernier doit déléguer la tâche à accomplir. Cette manière de manager permettra à son équipe d'avoir un libre champ d'action pour mettre en valeur ses compétences. Différent des autres types de managers, le manager délégatif amène ses collaborateurs à avoir plus de responsabilités. Une entreprise qui approuve la délégation a donc une certaine confiance en son personnel. C'est la preuve parfaite que l'entreprise ne sous-estime pas la compétence de ses cadres, ce qui va permettre aux employés d'être décomplexés sur le lieu de travail. De plus, les employés qui ont du mal à travailler sous pression auront plus d'indépendance. Avec ce type de manager, votre entreprise peut s'appuyer fortement sur l'expertise des employés pour atteindre les objectifs. Toutefois, il faut rappeler que cette sorte de gestion d'équipe est utile lorsque tout votre personnel possède son domaine de compétence. Avec ce type de manager, les cadres compétents peuvent facilement faire valoir leurs différentes compétences, ce qui est une source de motivation pour les employés qui préfèrent travailler sous leur propre inspiration. Un manager qui utilise ce type de gestion est certain d'avoir de meilleurs résultats. En dépit de tous les avantages de ce type de manager, il peut arriver que vous perdiez le contrôle de votre équipe. Cette situation vous fera perdre votre autorité et votre influence directe sur l'équipe entière. Toutefois, pour les employés qui cherchent l'occasion parfaite afin de montrer de quoi ils sont capables, c'est le moment de le prouver. Ce type de gestion peut améliorer votre niveau de communication et votre niveau intellectuel. Une connaissance large des différents managers peut aider les entreprises à adopter le modèle de leadership qui convient. Avec une bonne maîtrise, les chefs d'entreprise ou les managers peuvent avoir la compétence adéquate. Pour rendre leurs équipes productives. Dans cette vidéo, nous avons étudié quatre types de managers pour booster la productivité de votre entreprise. Il s'agit de diriger une équipe avec le type de manager directif, gérer de façon persuasive les employés, augmenter la productivité de votre équipe grâce à la gestion collaborative ou participative, souscrire au type de manager délégatif.